Fonctionne. Bonjour. En arrivant tout à l'heure, je me suis dit, ça va être dur de voir des gens dans notre auditoire parce qu'il fait beau dehors. Donc, merci d'être venu. C'est un des derniers jours de l'été, Indian Summer, donc profitez tout à l'heure. Mon nom est Thierry Felgen, je suis responsable de la stratégie de durabilité au sein de BLI, Banque Luxembourg Investments. Donc, j'ai le plaisir de traiter tous ces sujets passionnants tous les jours. On a parcouru quand même un sacré bout de chemin depuis quelques années. En 1987, la commission Brundtland des Nations Unies a défini le développement durable comme le développement qui fournit aux besoins actuels sans gréver les besoins des générations futures. Très belle définition, mais pas très praticable dans la vie de tous les jours. L'ONU a remis une couche en 2004 en définissant l'ESG comme une stratégie qui prend en compte l'environnemental, le social et la gouvernance. Et pour la petite histoire, ils avaient beaucoup de problèmes à caser le S. Parce qu'ils disaient, si on le met au début, ça prend trop de poids. Si on le met à la fin, on l'oublie. Donc ils ont mis au milieu entre le E et le G. Parce qu'ils se disaient, les financiers, de toute façon, la gouvernance, ils vont la regarder. Le, c'est évident, mais il ne faut pas oublier le S. Maintenant, vous avez peut-être déjà entendu les acronymes comme SFDR, comme CSRD, comme taxonomie. Donc, l'Union européenne a réalisé qu'elle ne réussirait pas à atteindre les objectifs de Paris ou, en fait, de manière générale, les objectifs de sauvetage de la planète, juste en disant on a une belle banque d'investissement européenne à Luxembourg, ils vont émettre plein d'obligations vertes pour financer des jolis projets de durabilité. Ils ont réalisé on a besoin du capital privé pour financer tout ce projet. Bon, quelques-uns vont dire ils ont créé un monstre parce que j'ai le plaisir d'être au milieu de la tempête. SFDR, c'est pas facile. D'abord, déjà comprendre la sauce à laquelle on va être mangé, c'est déjà pas mal. Et parfois, si on continue sur la taxonomie, j'ai encore dit ce matin à mes collègues, parfois c'est vraiment du chinois. Donc on a besoin de gens spécialisés pour comprendre ce qu'on doit faire, ce qu'on est censé faire. D'autres initiatives du Global Impact Investors Network définissent l'investissement à impact, parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est un impact sur le terrain. L'impact, l'investissement à impact, c'est un investissement qui recherche de façon volontaire un impact sur le terrain à côté d'un revenu financier. Alors que nous autres qui investissons sur les marchés secondaires, on a beaucoup de problèmes. On a beau avoir l'intention de générer un impact, mais si j'achète une action en bourse, je la rachète d'un autre actionnaire. Donc le capital dont l'entreprise a besoin ou qu'elle a émis, il a été émis à 10, 15, 20 ans. Donc si j'y investis ou pas, ça ne change strictement rien. Le seul chemin que je peux avoir pour avoir un impact, c'est parler avec l'entreprise. Et je peux parler avec l'entreprise si je suis actionnaire. Donc les exclure, c'est pas génial. La microfinance, par contre, là, l'impact est beaucoup plus clair. En fait, les obligations microfinance, les crédits microfinance sont émis pour générer l'impact. Le petit problème que la microfinance rencontre, c'est qu'il faut savoir le mesurer. Si on répond à la définition du GIN, parce que le GIN dit il faut avoir l'intention d'impact et l'impact doit être mesurable. Côté marché boursier, c'est plus simple, les entreprises publient plein de choses. En microfinance, le petit entrepreneur qui a reçu un crédit pour finalement créer sa petite entreprise, il ne va pas nécessairement avoir les compliance qui va lui écrire tous les rapports d'impact dont on pourrait avoir besoin pour mesurer ce qu'on veut faire. Donc là, nos quatre spécialistes en savent beaucoup plus que moi, donc je laisse la scène et profitez bien. Merci. Bonjour et bienvenue à tous à ce 56e midi de la microfinance et de l'inclusion financière sur le thème impact et transparence de l'intention à la mesure. Je suis Perrine Pouget, je travaille à la Banque européenne d'investissement qui vient d'être mentionnée. J'ai commencé ma carrière chez ADA à l'époque où d'ailleurs les premiers midis de la microfinance ont été lancés. Et donc, 15 ans plus tard, je me retrouve dans le siège de modératrice, alors qu'il y a 15 ans, j'étais plutôt dans les petites mains qui organisaient les midis. Mais je voulais faire un petit clin d'œil justement à ceux qui organisent les midis depuis plus de 15 ans maintenant.
Et à la BEI, je suis aussi en charge maintenant de tout ce qui est aussi reporting financier dans SFDR, taxonomie, etc. Voilà. Je suis entourée aujourd'hui donc, de trois experts qui vont nous apporter des éclairages très différents en fonction de leur perspective, avec Jürgen Hammer, qui va nous parler de la perspective du secteur, avec donc un grand angle en fait, sur les normes et standards en microfinance. Safiya Satoun qui va nous parler de la perspective investisseur et Mathilde Bowen de la perspective des institutions de microfinance. Est-ce qu'on peut peut-être, pour replacer un petit peu la discussion pour ceux qui viendraient notamment du secteur financier plus classique ou en général, ici on voit un petit peu le spectre de ce que c'est la finance et notamment la finance responsable. Et la microfinance, en général, se situe donc dans cette classe d'actifs très thématique qui est donc au milieu, un peu vers la droite, et qui, comme l'a déjà mentionné M. Feldjen, donc, a vraiment une intention derrière d'avoir un impact positif, alors que bon, sur le spectre plus à gauche, donc tout ce qui est ESG, etc., ici on est plus dans une perspective d'essayer de limiter les externalités négatives. Et plus on va vers la droite, plus on essaie d'avoir un impact. Et on voit aussi également une tension entre les potentiels de rendement, ou plutôt les niveaux de risque de certains aspects de la finance à impact. Voilà, en fonction du risque, on aura évidemment des retours sur investissement différents. Donc on se situe là, et je vais donc passer la parole aux experts et leur permettre de se présenter. Donc Jürgen Hammer, est-ce que tu peux, donc on va se tutoyer puisqu'on se connaît bien, est-ce que tu peux donc te présenter en quelques mots et nous rappeler peut-être qu'est-ce qu'on entend par impact en microfinance et pourquoi est-ce qu'on cherche à le mesurer ? D'accord. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Bonjour. Donc Jürgen Hammer, je suis en charge du bureau européen de la SPTF, Social Performance Task Force, ici au Luxembourg, ouvert en 2019 grâce au support du gouvernement de Luxembourg. La SPTF a été créée en 2005 pour fédérer toute l'industrie, pour travailler ensemble sur une définition du concept de ce que c'est la performance sociale. La microfinance, comme vous savez, ne date pas d'hier, elle a une quarantaine d'années, si on veut dire les débuts dans les années 70. La microfinance est une industrie particulière parce que c'est une industrie qui a très tôt, et qui est très tôt venue avec cette double promesse d'avoir d'un côté une rentabilité financière, mais aussi un impact social. Donc, les acteurs de la microfinance, depuis très longtemps, ont été quelque part obligés, par cette promesse, de se pencher sur la question, puisque je promets une rentabilité financière et un impact, mais il faut que je puisse le décrire. Mais on n'avait aucune idée au début, comment le décrire. Donc, chacun y allait un peu à sa manière. Et je me rappelle de ces années-là, de 90-2000, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui sur l'impact. Il y avait une confusion, on appelle de temps en temps alphabet soup, une confusion de concepts parce que chacun avait son langage. Quel était le rôle de la SPTF ? La SPTF, cette idée était de dire, il nous faut un langage commun. Parce que quand on parle de social ou quand on parle de vert, qu'est-ce que ça représente ? Il faut déjà définir les concepts pour pouvoir les mesurer. Donc depuis 2005, la SPTF a uni tout le secteur pour aider ce secteur à trouver ce langage commun. Si tu peux passer, s'il te plaît, à la prochaine slide. En 2012, le secteur a finalisé ce travail de définition commun, de dire qu'est-ce que c'est la performance sociale. En gros, c'était un accord de tous les acteurs de dire la responsabilité sociale, elle va se classer en six gros chapitres, on les appelle des dimensions. La première, c'est la mission. Quelle est ma mission et comment est-ce que j'assure que je puisse l'obtenir? La deuxième, c'est la gouvernance. Tout commence par la gouvernance et l'engagement, je veux dire, de la direction et de tout le staff.
La troisième, c'est le focus sur les produits. Comment est-ce que je m'assure que les produits que je propose sont vraiment des produits à valeur pour mes clients, produits et services. La quatrième est la partie protection de clients qui traite toutes les questions de surendettement, de transparence, de sécurité des data. La cinquième est toute la question responsabilité envers le staff, l'environnement de travail, l'assurance, les salaires, etc. La sixième est toutes les questions dues à cette double stratégie d'entreprise. Comment je balance mes objectifs de rentabilité financière et sociale. Et la septième, la verte, celle qui a été ajoutée dans ce dernier processus de révision de ces standards, qui est la dimension verte. Le pari, quelque part, donc pris par la microfinance, est de dire, commençons par définir quelles sont les meilleures pratiques. Je ne peux pas avoir un impact si je ne définis pas et je ne mets pas en place d'abord les meilleures pratiques sur toutes ces questions-là qui concernent mon entreprise. Et si tu peux passer sur la suivante. Pour la microfinance, par contre, pour la SPTF, l'idée, l'objectif n'est pas seulement l'évaluation. C'est tout un processus, c'est un changement, en fin de compte, de gestion. C'est d'abord, effectivement, définir le langage, définir de quoi on parle, ce qui est le plus important. La promotion de ça, comme je disais en 2012, on a lancé des standards. Depuis, on fait de la promotion pour qu'elle soit utilisée dans le secteur. C'est l'évaluation, mais la partie 4 ici, qui est très importante aussi, c'est l'accompagnement. Parce que l'idée, ce n'est pas seulement de ticker une box et dire « j'ai fait mon reporting », de dire une fois que je sais où j'ai des domaines d'amélioration, comment est-ce que je peux travailler sur une amélioration, et puis tout à la fin, la démonstration, le reporting, etc. Voilà, peut-être. Merci. Ça permet de bien cadrer justement ce qu'est la gestion et la mesure de la performance sociale en microfinance. Et ces standards sont le fruit, comme tu disais, d'une longue évolution aussi. Et ça a été, j'ai envie de dire, le fruit d'un travail vraiment collectif, si j'ai bonne mémoire, entre différentes sortes de parties prenantes. Si tu veux juste rapidement revenir sur la slide d'avant, parce que je n'ai pas trop parlé des chiffres, mais vous le voyez. Donc aujourd'hui, il y a à peu près un millier d'audits faits, c'est-à-dire un millier d'organisations dans l'industrie qui parlent ce langage, qui mesurent donc la performance sociale avec ce langage commun, donc de comparabilité et de transparence, une centaine de pays différents. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence à devenir un standard dans notre industrie sur l'évaluation de la performance sociale, en plus de l'évaluation de la performance financière, qui est quelque chose qu'on connaît et dont on n'a plus besoin de parler. Voilà. Alors, Safeya, donc vous représentez quelque part les investisseurs, qui sont d'ailleurs une des parties prenantes dans cette élaboration des standards et justement des normes et différents indicateurs qu'on pourrait suivre donc sur la performance non financière des institutions de microfinance. En quoi Tameo répond justement à ce besoin des investisseurs, et est-ce que vous observez une certaine évolution dans l'intentionnalité des investisseurs? Parce que je crois que vous travaillez pas uniquement avec des investisseurs en microfinance, mais avec toutes sortes d'investisseurs. Oui. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et merci à Ada d'avoir m'invité ici pour la midi de la microfinance. Comme Paris m'a dit, je m'appelle Safeya Zaitoun et je suis responsable des solutions d'impact chez Tameo. Tameo est une société indépendante spécialisée dans l'investissement d'impact qui accompagne les investisseurs et les gérants de fonds tout au long du processus d'investissement d'impact. Donc, plus précisément, on fait les études sur le marché, sur les caractéristiques, les performances et surtout sur les pratiques de gestion d'impact sur les gérants de fonds. Et ça, c'est à travers notre enquête annuelle qui s'appelle le Private Asset Impact Fund Survey. Et l'édition de 2022 sera publiée après environ 2 semaines. Donc, je vous invite de le voir après. Et grâce à ça, nous disposons de la base de données le plus complète de fonds d'impact investissant dans les marchés émergents. Et côté de nos solutions d'impact,
nous soutenons les investisseurs sur le reporting d'impact et nous vérifions leur alignement avec les standards qui existent dans le secteur aujourd'hui, comme par exemple le Operating Principles for Impact Management. Et finalement, juste pour contexte, Améo est aussi le Business Services Manager pour le CIFEM, qui est la Société financière de développement de la Confédération suisse. Donc, je veux bien contextualiser un petit peu, on parle de quoi quand je dis des chiffres ou des trucs comme ça. Donc, le monde ou le niche de Taméo, nous sommes concentrés sur les investissements privés, y compris les véhicules de financement mixte et dans les marchés émergents. Donc, et comme tu as dit, Perrine, on couvre l'inclusion financière ainsi que les autres sujets comme le changement climatique, l'éducation et la santé. Donc, nous estimons ce marché à environ 77 milliards de dollars. Et sur ce marché, il y a environ 20 milliards de dollars qui sont investis dans la microfinance. Dans notre enquête cette année, on couvre plus que 90% de montants sous gestion ou 98 fonds dans ce segment de microfinance. Et aujourd'hui, vu qu'on est au midi de la microfinance, je vais concentrer sur le secteur de la microfinance ou plus largement le secteur d'inclusion financière. Mais après, je serai heureuse de discuter d'autres sujets. et donc maintenant, en termes de gestion d'impact, les processus que tu as montré, Jürgen, comment les géants de fonds ils intègrent ça dans leur processus? On commence toujours par l'intentionnalité, comme tu as dit, et pour un géant de fonds ou un investisseur d'impact spécialisé, on voit toujours que, on aime dire que la gestion d'impact, c'est un truc qui est intégré tout au long du processus d'investissement. Donc, on commence toujours par la définition de la stratégie jusqu'au rapport après l'investissement. Donc, ici, on voit qu'il commence par définir la mission et la stratégie au niveau d'organisation et après au niveau de chaque transaction. Et après, on voit qu'il y a des critères d'investissement et il se met d'accord des investis sur les critères et sur les indicateurs pertinents à mesurer et rapporter après l'investissement. Il faut évidemment surveiller les indicateurs dans une manière régulière et intégrer les résultats dans leur stratégie d'investissement à venir. Dans notre enquête cette année, ce qu'on voit au niveau de tendance de gérants de fonds dans le secteur microfinance, je veux montrer, relever trois points, on peut dire. Premièrement, les gérants de fonds, ils ont commencé à utiliser les ODD comme cadre commun pour identifier leur intention d'impact et pour mettre en correspondance leur performance d'impact avec ces objectifs. Objectif du développement durable. Exactement. Tout le monde ne connaît pas l'ODD. Donc, exactement. Oui, pardon. C'est le alphabet soup, comme on dit toujours. Et on voit qu'il y a quatre objectifs qui sont le plus utilisés par les gestionnaires dans le monde de microfinance. Donc, il y a toujours l'objectif 1, qui est pas de pauvreté, et aussi les égalités entre les sexes, qui est l'objectif 5, et le 8, qui est le croissance économique et travail décent, et finalement les inégalités réduites. C'est l'objectif 10. Et ça, ce n'est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise chose qu'ils utilisent les ODD, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y en a des gérants de fonds qui utilisent le framework dans une manière très, très vague. Donc ici, il y a une marge d'amélioration parce qu'autrement, il faut éviter d'avoir des portefeuilles qui disent « on contribue » ou « tous les ODD, les 17 », parce que ça, ce n'est pas forcément raisonnable. Et un deuxième point que je veux dire, c'est que même s'il y a beaucoup d'harmonisation dans la microfinance aujourd'hui au niveau d'indicateurs d'impact, on voit que les investisseurs ou les gérants de fonds, ils n'utilisent pas forcément les outils de l'industrie pour mesurer l'impact
ou pour gérer l'impact plus généralement. Donc, ce qu'on a vu, il y en a 64 entre le 98 fonds qui utilisent leurs propres outils. Au lieu d'utiliser les outils qui existent dans le marché, il y a une proportion plus petite qui utilise les outils d'industrie comme le Iris Plus du GIN ou le Impact Management Project. Et finalement, je veux dire que les gérants dans le secteur de microfinance sont plus avancés, on peut dire, que les autres secteurs au niveau de processus de gestion d'impact et intégration des risques ESG dans leur processus d'investissement. Donc, ce qu'on a vu, il y en a la majorité ou la grande majorité prennent en compte les considérations ESG et impact dans leur processus de prospection et dans les processus de prendre des décisions d'investissement. Et ils font aussi les rapports impact, notamment, je peux dire, une fois par an. Ça, c'est le pratique courant dans l'industrie. Ouais, je pense que je peux arrêter ici. Ça, c'est juste quelques points sur le secteur microfinance et on peut continuer après. Merci. Mais tu as soulevé déjà quelques points qu'on va affiner, notamment celui de la nécessité de pouvoir comparer aussi les données et donc d'adopter des standards et des normes communes, en fait. Mathilde, donc, tu représentes le point de vue des IMF, donc ADA qui soutient les institutions de microfinance dans le Sud. Alors vous, chez ADA, je sais que la transparence, c'est vraiment très important. C'est pour vous une condition sine qua non, notamment pour pouvoir accéder au marché de capitaux. Et comment est-ce que, justement, chez ADA, après t'avoir présenté, t'être présenté, comment chez ADA est-ce que vous appuyez les institutions de microfinance dans ce voyage? Bien, merci, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Mathilde Beauin, responsable gestion des connaissances chez ADA. Donc, ça veut dire que sous la casquette gestion des connaissances, on inclut tout ce qui concerne la mesure d'impact. Alors, peut-être avant tout, pour contextualiser, quelques mots sur ce que fait ADA concrètement avec les institutions de microfinance. Donc, en particulier par rapport aux investisseurs, donc ADA apporte un appui technique aux institutions de microfinance sur le terrain. Un appui technique qui peut consister à renforcer les capacités de gestion interne des institutions ou à développer des nouveaux produits et services. Donc quand on parle de renforcement de capacités de gestion interne, c'est justement, ça peut être les capacités de gestion des risques, mais ça peut être aussi les capacités de gestion de la performance sociale. Donc ADA a accompagné un grand nombre d'IMF en fait, dans l'analyse de leur gestion de la performance sociale, l'évaluation et l'identification des forces et des faiblesses pour ensuite identifier comment les institutions de microfinance peuvent améliorer leur processus interne de gestion de la performance sociale, puisque comme Jürgen l'a dit, c'est bien un processus de gestion interne avant tout, avant d'être un processus de mesure d'impact. Donc ça, sur le côté renforcement de capacité interne. Sur le volet développement de nouveaux produits et services, donc ADA va en particulier appuyer des IMF à développer des produits et services adaptés aux besoins d'un groupe de clients particuliers. Donc pour prendre un exemple, typiquement, on va appuyer le développement d'un crédit agricole adapté aux besoins des producteurs agricoles sur le terrain. Et donc parce qu'on apporte un appui technique qui est différent et complémentaire d'un appui financier que peut apporter un investisseur, notre démarche d'accompagnement du processus de mesure d'impact est aussi différent de celui appliqué par les investisseurs. Donc pas forcément en termes de méthode, de mesure d'impact. Typiquement, on l'a dit, hein, les investisseurs, même si ils n'utilisent pas toujours tous les standards existants, en particulier les standards de gestion de la performance sociale, sont quand même bien intégrés dans leur processus. Donc nous, on applique aussi ces processus. Et aujourd'hui, du côté plus au bout de la chaîne du processus de mesure d'impact, en particulier post-Covid, on a vu s'imposer ou un peu plus se généraliser une nouvelle méthode pour analyser l'impact, qui est les enquêtes auprès des clients. Donc ça, il y a aujourd'hui beaucoup d'investisseurs, en tout cas un certain nombre d'investisseurs, qui ont recours à cette méthode pour essayer de s'approcher des impacts que peut avoir la microfinance auprès des clients. Et donc nous, là-dessus, on suit les pratiques et les standards du secteur. Donc on utilise la même méthode d'enquête client auprès des bénéficiaires de nos partenaires pour essayer de comprendre quels peuvent être les effets positifs des services qu'ils reçoivent. Par contre, notre focus est un petit peu différent.
C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur qui apporte un appui financier à une IMF, on va chercher à comprendre l'effet des services financiers de manière générale sur les conditions de vie des clients. Donc l'impact que peut avoir l'institution de microfinance en général sur les clients. De notre côté, comme on appuie le développement de services particuliers, on va s'intéresser à l'impact de ce service particulier. Et donc typiquement, on va s'intéresser à l'impact du crédit agricole sur les conditions de vie des petits producteurs. Et en général, dans nos projet d'appui technique, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle l'appui qu'on apporte, il y a rarement que des services financiers. Il y a aussi des services complémentaires, dans ce cas-là, des services de renforcement des capacités techniques des producteurs. Et donc, dans notre processus de mesure d'impact, on va en fait évaluer l'impact de ces deux types de services combinés. Et on va aller un petit peu plus en profondeur, peut-être, dans l'analyse, puisqu'on connaît bien les services qu'on aide à développer. Donc, on va poser des questions sur toutes les étapes qui peuvent précéder les effets positifs qu'on espère voir apparaître. Donc, on va poser des questions sur l'utilisation des services financiers, sur le renforcement des compétences apportées par les services non financiers. Donc, quand on parle de l'utilisation des services financiers, à quoi ils ont été utilisés pour investir ? Donc, investir dans quoi ? Investir dans des équipements, dans des semences, par exemple, si je reste sur mon exemple, dans de la main-d'œuvre. Et donc, est-ce que cet investissement a eu ensuite des conséquences sur le volume de production, sur la qualité de la production et donc sur les revenus? Et s'il y a eu une augmentation des revenus, est-ce qu'ils ont été utilisés pour investir soit dans l'activité, soit dans des besoins du ménage, donc en termes d'éducation, santé, etc. Donc, en termes de méthode, pour en revenir à la question de base, par rapport aux investisseurs, comment on accompagne le processus de mesure d'impact des IMF, on utilise les mêmes méthodes, mais le focus est un petit peu différent. Et ça nous permet d'évaluer l'impact non seulement des services financiers, mais aussi de la combinaison de services financiers avec autre chose. Et on constate en général qu'en effet, l'impact est plus important de cette manière-là. Merci. Donc, pour revenir au point sur l'adoption de normes et standards par le secteur, est-ce que tu vois d'autres défis ou est-ce que sur celui-là, est-ce que tu veux élaborer un petit peu pour justement permettre plus de transparence, donc plus de mesures d'impact qui viendraient ensuite par la suite, bien sûr, venir nourrir des décisions d'ajustement aussi des institutions de microfinance sur leurs pratiques. Enfin, qu'est-ce que tu vois comme défi sur justement cette mesure-là d'impact ? Oui, merci pour la question. Et d'ailleurs, je dois souligner, c'est un travail qui est évidemment primordial de faire de la formation auprès des utilisateurs. Donc ce travail que fait ADA, par exemple, je veux dire de s'assurer que ce travail-là a de la valeur sur le terrain et est donc extrêmement important. Tu me poses donc sur la question des défis. Tu en parlais déjà tout à l'heure. Pas tout le monde, c'est pas parce qu'on a un langage que tout le monde le parle. Souvent les choses sont faites parce qu'il y a une obligation légale. Je prends un exemple qui est peut-être plus courant pour nous tous, la comptabilité, IFRS, les normes comptables. Pourquoi sont utilisées des normes comptables ? Parce que le régulateur impose de parler ce langage-là quand je fais mon reporting financier. Dans le social et dans l'environnemental, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, parler un langage, à part des principes ou des standards, plus une évaluation transparente, c'est un exercice volontaire et la transparence n'est pas toujours facile. Parce que la transparence montre certainement mes forces, mais aussi mes faiblesses. Donc, je dirais le grand défi pour nous dans l'industrie aujourd'hui, c'est de s'assurer que ce langage qui est développé est vraiment le langage parlé par tout le monde. Donc, on le fait par la promotion, on le fait par la formation. On le fait aussi dans l'échange avec les régulateurs, parce que je parle d'un projet, d'un exemple qui est très simple, la protection de clients, le surendettement. À un moment ou à un autre, il y a un aspect de réglementation qui doit s'assurer que ce travail est vraiment fait. Donc on travaille à tous ces niveaux-là, formation, information et aussi réglementation pour qu'il y ait vraiment l'utilisation du langage et de la transparence et qu'on ait une meilleure compréhension de l'impact de ce que notre industrie a.
Et en termes de réglementation, tu vois des évolutions possibles, des vraies. Oui, certainement. Au niveau régional, au niveau. Je prends un exemple très simple. Nous, en Europe, quand on fait un crédit à la consommation, on achète une voiture, une télévision, peu importe, quelque part dans notre contrat, même si c'est tout petit en bas, il y a le taux effectif global. Ça veut dire qu'il y a écrit combien on paye vraiment pour notre prêt. Mais ce n'est pas fait volontairement. En Europe, mais je parlais en microfinance. Oui, mais je parle. Donc, je veux dire, cet exemple-là, la transparence de mon prix, mais elle n'est pas faite volontaire. Quand on veut changer d'abonnement de téléphone, impossible de comparer deux offres. Quand on veut acheter un billet d'avion, impossible de comparer deux offres. En finance, on peut le faire. Pourquoi ? Parce que le régulateur a imposé la transparence des prix. Et on voit ça dans les pays du Sud. Il y a des pays, il y a des exemples très intéressants, d'Égypte, de Jordanie, Philippines, Cambodge, Guatemala, et beaucoup d'autres, où les banques centrales réfléchissent à mettre en place une réglementation qui restreint pas, qui permet le développement, mais qui assure qu'il y a des pratiques responsables. Pour la banque centrale, ce n'est pas forcément l'objectif social. Pour la banque centrale, c'est surtout la stabilité du marché. Mais il y a des éléments dans la réglementation qui menacent la stabilité financière si elles ne sont pas respectées. On prend l'exemple du surendettement. Donc oui, il y a une volonté aujourd'hui, on travaille avec AFI, l'Alliance for Financial Inclusion, mais aussi beaucoup avec des régulateurs qui viennent directement à la SPTF pour dire nous sommes en train de revoir notre réglementation, protection de clients, plutôt que de réinventer la roue, utilisons ce qui est déjà le langage parlé de l'industrie, parce que demain je peux avoir une information sur mon marché, peu importe quel pays, qui a été validée par tous les investisseurs. Parce que c'est ce même langage qu'on parle. Donc oui, il y a ça. Ça commence. Et on veut avoir un échange productif avec les régulateurs, parce que tout le défi est évidemment de ne pas étouffer le marché, mais d'avoir une réglementation qui encourage et qui développe de manière responsable. D'accord. Et toi, Safiya, qu'est-ce que tu vois comme défi majeur dans justement la mesure d'impact et la transparence du point de vue des investisseurs ? Oui. Les données, j'imagine ? Oui, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les investisseurs, ils utilisent les données comme un outil de reporting pour leurs investisseurs, donc les gérants de fonds pour leurs investisseurs, mais pas forcément pour intégrer les leçons dans leur stratégie d'investissement. Et on pose la question pourquoi ? Donc, est-ce que c'est parce que c'est vraiment juste un outil de marketing ? Ou c'est parce qu'on sait pas exactement comment utiliser les données aujourd'hui. Donc, par exemple, au niveau de performance d'impact, on n'a pas une manière de dire ça c'est une bonne performance ou ça c'est pas. Donc, on voit les chiffres et on dit ok super, j'envoie ou je communique les chiffres, mais je sais pas est-ce que ça donne vraiment l'essence de est-ce qu'on a fait un bon job. T'as pas de à benchmark, la fin en fait. Exactement. Et donc, par exemple, on peut dire que pour ce fonds, je veux avoir un rendement de 3%. Et c'est très facile de voir ça, c'est sous-performante ou sur-performante ou tout ça. Mais on ne voit pas ça dans le côté impact. Et je ne suis pas sûre si les indicateurs qualitatifs ou quantitatifs, quels sont les meilleurs qui conviennent pour ce fonction-là, mais je pense que ça, c'est un défi pour trouver la meilleure manière d'identifier des targets d'impact qui sont clairs, et comme ça, quand on fait la mesure, on peut arriver à dire, OK, il faut améliorer sur ce point-là, mais pas sur celui-là. Oui, pour permettre que les données soient utilisées au final. Exactement. Ce n'est pas uniquement du reporting sans une fin spéciale. Et Mathilde, quels sont vos défis sur le terrain ? Parce que vous avez l'air de collecter beaucoup de données, notamment non quantitatives, donc qualitatives. Est-ce que ça coûte cher aussi, peut-être ? Oui. Et en effet, il y a plusieurs challenges à mentionner du point de vue même des IMF elles-mêmes, avant même du point de vue d'un acteur qui appuie les IMF sur le terrain. Alors peut-être...
Bon, pour commencer, pour rebondir sur les défis rencontrés par les investisseurs, en fait, il y a un petit peu les mêmes défis qui sont rencontrés par les institutions de microfinance elles-mêmes. Donc, comme j'ai introduit, on accompagne, ADA accompagne le processus non seulement de gestion de la performance sociale, mais aussi de mesure d'impact, donc avec les IMF. Et l'un des premiers défis, c'est le même, c'est-à-dire que même si on fait tout ce travail avec les IMF, il y a encore des difficultés pour faire en sorte que ce travail de mesure d'impact ne soit pas une fin en soi. Et là, pas encore une exigence pour répondre à une exigence de reporting, parce que ce n'est pas encore une exigence, en tout cas réglementaire, pour les IMF, mais juste un travail pour satisfaire l'investisseur, justement, répondre aux exigences des investisseurs, attirer des autres partenaires, etc. Alors que le travail de mesure d'impact devrait être avant tout intégré au processus de gestion, comme c'est d'ailleurs mentionné dans les standards de gestion de la performance sociale. C'est le standard numéro 1. On est censé, en tant qu'institution, définir son objectif et ensuite s'assurer qu'on l'atteint, donc mettre en place un processus de mesure et prendre des décisions une fois qu'on a ces résultats. Et en fait, ce travail de prise de décision à partir des résultats de l'exercice de mesure d'impact reste un très gros défi pour les institutions de microfinance elles-mêmes. Donc pour l'instant, alors que donc ça reste une fin en soi, et ce n'est pas une manière de remettre en question soit ses pratiques, ses opérations au quotidien, alors que ça devrait l'être, ce n'est pas non plus utilisé pour remettre en question ses objectifs. Parce que parfois, si on obtient des résultats qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on imaginait, ça peut être dû aux pratiques, mais ça peut être dû aussi aux objectifs qui ne sont pas forcément réalistes. Et le secteur de la microfinance, d'ailleurs, de manière générale, les études scientifiques qui ont été faites, les études d'impact, ont montré que finalement, l'impact qu'on attendait en termes de réduction de la pauvreté était peut-être un petit peu trop ambitieux. Et aujourd'hui, le secteur est à peu près clair sur l'impact qu'on peut attendre de la microfinance, qui est plutôt de réduire les vulnérabilités, lisser la consommation dans le temps, augmenter la résilience. Donc, le secteur a fait ce travail de révision des objectifs de la microfinance. Et la même chose pourrait être faite par les institutions de microfinance elles-mêmes qui évaluent leur impact à leur niveau. Mais aujourd'hui, ça reste un très gros défi. L'autre défi, en effet, alors... Bon, la collecte, le processus de collecte de données peut être assez coûteux. Après, le fait est que les institutions de microfinance ont elles-mêmes déjà beaucoup de données à leur disposition. Elles ont des systèmes d'information, des systèmes informatiques dans lesquels elles collectent beaucoup de données qui pourraient être utilisées pour faire cet exercice d'analyse de l'impact, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ce qui manque, donc le deuxième challenge, au-delà du coût, c'est surtout les compétences en termes de gestion et d'analyse de données. En tout cas, c'est nous ce qu'on constate sur le terrain. Au sein des IMF, il y a peu de compétences pour analyser toutes ces données déjà disponibles ou pour ensuite analyser les données qu'on collecte via des enquêtes. Il y a aussi peu de compétences disponibles chez les prestataires de services locaux qui vont pouvoir faire le travail de collecte. Mais le travail d'organisation de données, de gestion de données, d'analyse après pour en tirer des résultats utiles pour prendre des décisions, là, même le processus d'analyse, ça reste compliqué. Donc voilà, ça, c'est le deuxième gros défi. Au-delà même du coût, ce sont les compétences pour le faire. Donc oui, gros défi au niveau de la chaîne des données, c'est-à-dire depuis le terrain jusqu'à l'investisseur, voire même jusqu'au niveau sectoriel. Peut-être que vous, est-ce que vous arrivez à combiner d'ailleurs les données, à agréger les données à travers, vous avez des grandes bases de données. Bien sûr. Alors, comme je disais au début, ce qu'on a harmonisé aujourd'hui, c'est la définition de quelles sont les meilleures pratiques. Et là-dessus, on arrive bien sûr à comparer. On peut benchmarker depuis des années maintenant, je disais, un millier d'institutions. Je peux comparer ma performance sociale par rapport à d'autres organisations. Et c'est ça l'intérêt finalement de le faire. Du coup, pour une IMF, est-ce que vous utilisez cet argument par exemple Alors, ça dépend de quoi on parle exactement. Quand on peut se benchmarker aujourd'hui en utilisant l'outil d'analyse de gestion de la performance sociale, qui est plus un outil d'analyse de ses processus internes. Donc là, l'IMF peut se benchmarker et identifier là où elle peut s'améliorer. Par contre, la mesure d'impact, donc, ça dépend de sa mission sociale telle qu'elle l'a définie elle. Et c'est là la difficulté de trouver des indicateurs homogène pour tout le monde. Chaque institution a sa propre mission, ses propres objectifs, et donc c'est normal qu'il n'y ait pas un seul indicateur qui soit le bon pour tout le monde pour analyser sa performance sociale et son impact social. Donc,
bon, il peut y avoir quand même des exercices de benchmarking. D'ailleurs, on le voit, il y a une initiative actuellement menée par un prestataire de services au secteur qui propose des questionnaires standards d'enquête client, donc, où là, les IMF vont pouvoir se benchmarker en analysant leur impact social, mais donc on reste à un niveau très général en termes d'impact, et ça ne va pas forcément toujours parler tout de suite à l'institution de microfinance qui, elle, va vouloir peut-être des informations un petit peu plus précises pour prendre des décisions opérationnelles. Donc ça, ça va être utile pour les investisseurs et le secteur, mais pour les IMF elles-mêmes, elles ont besoin, je pense, d'analyser un petit peu plus précises. Le temps tourne, donc je pense qu'on avait préparé beaucoup de questions très intéressantes, mais vous en avez peut-être des encore plus intéressantes, donc on va vous passer le micro. Si dans l'audience, vous avez des questions, soit à nos panélistes experts en gestion et mesure de la performance sociale en microfinance. Sinon, Axel. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question plus un peu macro et plus en lien avec le, pour aller au-delà de la microfinance et de la mesure d'impact en microfinance, plus dans l'impact investing. Est-ce que vous sentez au niveau des acteurs, on dit depuis beaucoup d'années, dans le secteur de l'impact investing, oui, enfin, les clients ne le demandent pas. Les investisseurs individuels, oui, ils sont pas demandeurs de ça. Et donc on a maintenant, la Commission européenne est venue avec la réglementation, donc on vient avec le bâton en fait. J'aurais aimé avoir votre avis, éventuellement au niveau de Tamayo, quelle est la tendance, est-ce qu'en plus du bâton, est-ce qu'il y a effectivement un changement de demande, chose à laquelle moi je n'ai jamais cru d'ailleurs, hein. Je suis convaincu que le client y demande et c'est le secteur qui n'est pas prêt, mais je voulais avoir votre avis, est-ce que vous avez des changements concrets par rapport à ça dans ce que vous faites? Est-ce que ça marche? Oui. Très franchement, je trouve que les investisseurs, oui, ils demandent. Ils demandent de voir la performance sociale et environnementale sur leur investissement. Ça change beaucoup entre le type d'investisseur, parce qu'il y en a, quand on travaille avec les investisseurs institutionnels, bah, surtout comme les fonds de pension et des trucs comme ça, je trouve que peut-être c'est vraiment les demandes sont sur le risque, la performance financière et tout ça. Mais autrement, je pense que les gens, les investisseurs derrière, ils demandent de voir la performance sociale et la performance environnementale, surtout aujourd'hui. Je pense qu'il y a toujours un peu de mismatch entre ce que les investisseurs demandent, ce que les investisseurs institutionnels font aujourd'hui, et ce qui existe au niveau d'opportunités d'investissement d'impact dans le marché. Parce qu'il y a toujours un peu d'impression qu'il y a trop de risques dans l'investissement d'impact, qui n'est pas forcément le cas. On peut dire, il y a beaucoup de décorrélation entre les investissements d'impact et les autres secteurs dans le marché, surtout dans les marchés développés. Mais quand même, il y a des investisseurs qui veulent pas entrer dans ce monde-là parce qu'ils trouvent que c'est trop exotique, c'est trop dur et tout ça. Mais très brièvement, je trouve que oui, le demande existe. Est-ce qu'il peut y avoir un rôle alors des institutions publiques aussi pour pousser justement cette demande pour plus d'impact ou en tout cas, ou alors favoriser en général les cadres de transparence? Oui, certes, beaucoup d'ailleurs. Beaucoup de rôles des institutions ouais, publiques. Je pense, et pas encore joué à toute sa capacité. Quand je regarde ce qu'on observe dans le secteur de la microfinance, ceux qui ont jusqu'ici joué globalement le plus le rôle de la transparence et de l'ouverture à la transparence, c'est le secteur privé. LNDF au Luxembourg, un fonds d'investissement de ADA, Fondation Grameen Crédit Agricole, qui sont cotés, beaucoup de fonds qui sont ici au Luxembourg, Symbiotics, Triodos, Incofin, etc. Beaucoup de fonds qui ont vraiment, depuis des années, joué cette carte. Il y a aussi des institutions publiques, la BEI, le gouvernement de Luxembourg, qui depuis des années supportent et accompagnent ce travail, parce que c'est un travail, comme je dis, de volonté, de transparence, de coopération, qui accompagne ce travail-là. Mais je pense que beaucoup de fonds savent aussi que c'est encore très difficile parfois de faire valoriser
le travail qu'ils font par certains investisseurs publics qui, dont beaucoup, malheureusement, encore se cachent beaucoup derrière des méthodologies développées en interne. Et encore une fois, il faut beaucoup de courage. Il faut du courage aussi dans des organisations qui ont développé depuis des années leur langage interne et qu'en interne, tout le monde comprend, de dire à un moment ou à un autre, il y a un objectif plus grand qui est la comparabilité et la transparence. Et donc, abandonner ça, c'est peut-être parfois plus facile. Mais oui, j'ai un vrai appel à faire au secteur public, aux bailleurs, un, de valoriser et de s'engager sur ce chemin, sans que ce soit imposé à un moment par un régulateur, parce qu'on n'a pas un régulateur mondial. Donc, il faut que ce soit un travail volontaire dans cet objectif-là. Donc oui, le secteur public a un grand rôle. Il y a des belles exemples à suivre. D'ailleurs, en parlant de la carotte et du bâton, par exemple, j'ai l'exemple dans l'Union européenne, où en fait la Commission européenne justement joue un énorme rôle dans la promotion de l'inclusion financière en Europe, parce qu'il y a aussi de la microfinance en Europe. Et pour pouvoir accéder au financement de certains mandats, comme ceux appelés EASY, European and Social Innovation, une des conditions, c'était justement d'adopter le code de bonne conduite pour les institutions microfinance en Europe, qui est en fait, en gros, les standards de performance sociale universelle à la européenne. Et donc ça, c'est une condition en fait pour pouvoir accéder aux garanties du Fonds européen d'investissement, à des prêts de la Banque européenne d'investissement aussi. Donc là, il y a une carotte qui est un semi-bâton, on va dire, puisqu'en fait, bien souvent, ils n'ont pas d'autres alternatives. Ce sont des produits financiers très attractifs, donc elles ont tout intérêt à adopter justement ces bonnes pratiques et elles doivent même se faire auditer sur ces codes de bonne conduite. Voilà, donc en Europe, il y a aussi le régulateur, plus ou moins, enfin en tout cas les institutions publiques qui poussent dans ce sens-là de la transparence. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Oui. Patrick. Jürgen, tu as participé à l'organisation de la conférence la semaine dernière à Paris, organisée par SPTF. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a énormément de standards en matière d'inclusion financière ou en matière environnementale. Quelles sont les initiatives qui sont prises pour essayer d'harmoniser à tant soit peu ces différents standards ? Parce que tu te rappelleras qu'il y avait une question de la part de Incofin qui disait « Moi, mes investisseurs me demandent OPIM, l'autre me demande les Nations Unies, l'autre me demande tel autre standard. Comment est-ce que moi je fais en tant que gestionnaire de fonds pour correspondre à toutes ces demandes ? Donc, quelles sont les initiatives en place à ce niveau-là ? Ouais, bon, merci Patrick pour la demande. Effectivement, la semaine dernière, nous avions co-organisé SPTF avec l'OCDE, une journée, c'est une deuxième journée commune sur cet aspect fondamental de la transparence et de l'harmonisation. Et c'est très intéressant qu'il y ait un organisme aussi important que l'OCDE qui se tourne vers notre secteur, parce que quand je dis SPTF, ça veut dire le secteur de la finance inclusive, qui se retourne vers la finance inclusive pour apprendre qu'est-ce qu'en finance inclusive, depuis 40 ans, on a appris pour mettre en place volontairement un langage commun, une transparence qui doit s'appliquer aussi à ce niveau-là. On ne va pas l'imposer, et moi j'aime bien utiliser le parallèle de IFRS, de la comptabilité. Nous avons travaillé avec des normes comptables qui étaient différentes par secteur jusqu'à la crise financière de 1929. Le résultat, c'était que les bilans n'étaient pas lisibles. Et il a malheureusement fallu une crise majeure pour qu'on se mette d'accord pour dire qu'il faut que les comptes soient lisibles. Donc il va falloir qu'on trouve. C'était certainement pas facile. Mais c'était un accord mondial, global, de dire qu'il y a IFRS et GAAP. En gros, il y a deux grosses méthodes. Et on ne peut plus imaginer le monde financier sans ces comptables, sans ces normes. J'aurais bien aimé que l'humanité n'ait pas besoin à chaque fois de crise avant de faire ce qui est nécessaire pour faire des choses qui sont juste logiques. On est aujourd'hui dans un monde, et cette urgence vient plus de l'environnemental, parce que maintenant la baraque brûle, donc on commence à se rendre compte que c'est important d'inclure des facteurs environnementaux et sociaux dans notre reporting d'entreprise.
espérons qu'on puisse avancer sans avoir une autre crise de 29 pour dire bah, bah, il va falloir un langage clair. Qu'est-ce que c'est green, qu'est-ce que c'est vert? Et on y arrive. La Commission européenne a fait un travail magnifique, mais pour l'instant, les Américains travaillent de leur côté, les Asiatiques du leur. Je veux dire, j'ai envie d'être optimiste, de dire le vert, bon, il n'est pas à moitié plein, il est un tiers plein. Le vert est un tiers plein, mais on va dans la bonne direction. Justement, ce genre d'organisation et d'événements sont intéressants, mais à un moment ou à un autre, il faut arrêter de parler, il faut faire les choses. Malheureusement, ça ne sera pas imposé, ça doit être volontaire, et c'est d'où l'appel à plus de coordination, de coopération, pour qu'on puisse créer ce langage, cette clarté. Qu'est-ce que c'est un objectif, une performance environnementale, sociale, comme on a fait il y a 100 ans pour le financier? Tu parlais justement de vert, alors ça nous permet de faire le lien vers peut-être cette lettre de ESG dont on n'a pas encore parlé et qui a peut-être été négligée par la microfinance parce que son objectif primaire c'était justement la lutte contre la pauvreté, les inégalités. Alors en quoi l'environnement est-il pris en considération par le secteur? Est-ce que le secteur peut aussi avoir un impact justement positif sur tous les défis écologiques et environnementaux qui nous attendent? Mathilde. Du point de vue des IMF. Ok. Côté agricole, il doit y avoir des choses d'ailleurs à dire. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que donc à l'époque de la première définition des standards de gestion de la performance sociale, le volet environnemental était un petit peu laissé de côté, mais ça fait quand même maintenant presque 10 ans qu'il existe une première version d'un outil qui permet d'analyser la performance environnementale des institutions de microfinance. Aujourd'hui, il y a une troisième version, et aujourd'hui, avec la révision des standards, ça y est, la dimension environnementale est devenue une dimension à part entière, exactement, la septième. Et donc l'outil d'analyse de performance à l'époque sociale des IMF, maintenant, va intégrer aussi cette dimension qui ne sera pas optionnelle et qui sera immédiate quand on fait une analyse. Par contre, c'est vrai que ça a pris du temps, certainement, parce qu'en effet, on attendait avant tout de la microfinance qu'elle ait des impacts socio-économiques. D'ailleurs, on le revoit aussi dans les fonds gérés par les gestionnaires de fonds d'investissement. Donc, il y a souvent des fonds microfinance, et puis tu le disais au début, après, il y a le fonds changement climatique. Et donc, on va attendre du fonds microfinance qu'il ait des impacts socio-économiques positifs, avant tout, et on va attendre du fonds changement climatique qu'il ait, lui, des impacts environnementaux, avant tout. Et ce cloisonnement des fonds d'investissement tend à cloisonner aussi les impacts qu'on attend de l'objet des investissements. Et donc, on a toujours fait comme si de la microfinance, on ne pouvait pas attendre beaucoup en termes environnementaux, alors qu'aujourd'hui, on sait que les clients de la microfinance sont bien les plus exposés aux risques créés par les changements climatiques. Donc, ce n'est plus une dimension qui peut être ignorée par les institutions de microfinance, sinon ça va représenter des risques pour elles-mêmes aussi. Par contre, il y a certainement un équilibre à trouver dans les attentes qu'on peut avoir d'une institution de microfinance en termes d'impact environnemental. C'est peut-être justement plus de la gestion des risques environnementaux avant tout, même si elles ont certainement un rôle à jouer un petit peu plus proactif dans la transition écologique qui sera nécessaire pour tout le monde de toute façon. Mmh. Et au niveau des fonds d'investissement, est-ce que vous avez la question parfois sur le côté environnemental de la microfinance est-ce que l'environnement... L'impact environnemental est important pour les investisseurs? Oui, effectivement, c'est très, très important pour les investisseurs aujourd'hui. Mais comme Mathilde vient de dire, c'est très important de voir où sont les priorités au niveau de quand on parle d'impact environnementaux. Maintenant, la microfinance, il n'y a pas forcément un impact environnemental énorme par ni les institutions financières ni leurs clients. Il y en a pas mal des acteurs aujourd'hui, les grosses entreprises, les grandes banques, leur portefeuille, qui posent beaucoup de risques sur l'environnement. Et ce n'est pas forcément la responsabilité de micro-clients de sauver le monde. Hein. Donc vraiment, il faut focaliser les indicateurs pertinents pour chaque secteur. Je suis d'accord qu'au niveau d'évaluation des risques environnementaux, il faut être assez transversal sur tous les actifs, sur tous les investissements, afin d'essayer d'éviter beaucoup de risques et beaucoup pour agrandir les problèmes. Mais autrement, au niveau de mesurer l'impact positif ou négatif sur l'environnement, il faut focaliser sur le secteur pertinent qui est
qui n'est pas forcément la microfinance, je peux dire. Mm. C'est vrai qu'il y en a pas mal des fonds qui sont focalisés sur les autres sujets environnementaux, soit l'agriculture, soit même les PME de temps en temps, ça dépend dans quel secteur ils travaillent, et surtout les fonds qui travaillent dans le changement climatique. Donc ici, vraiment, il faut travailler sur l'analyse très soigneusement, mais je pense... Pour la microfinance, on peut rester un peu plus léger et focaliser sur les risques environnementaux, sur les clients, en fait. Donc, en fait, les risques physiques de changement climatique. Exact. Et, voilà. Dis-moi. Non, merci. Je pense que ce n'est pas suffisamment souvent dit. Je pense que c'est une des faiblesses de SFDR et de la réglementation européenne, qu'évidemment, tous les acteurs financiers sont soumis à la même loi. Il faut garder faudrait garder un peu de bon sens de proportionnalité. Quand on pollue autant dans le Nord, quand je regarde l'effort qui est fait aujourd'hui par le secteur d'essayer d'être aligné avec cette nouvelle réglementation, bon, il y a un vrai souci de proportionnalité, mais malheureusement, c'est compliqué dans un cadre réglementaire européen qui doit harmoniser tout ça. Mais je veux répondre... avec un autre argument intéressant, je trouvais très intéressant hier le discours d'ouverture de Julie Becker de la journée de Luxembourg for Finance, qui a parlé beaucoup de S et de G, donc de la gouvernance, et qui disent surtout que le social et l'environnemental sont les deux côtés de la même monnaie. Les deux vont évidemment ensemble, c'est une responsabilité sociétale de toute entreprise, que ce soit microfinance ou le secteur économique en général, précédé par la gouvernance, parce que tout ça ne peut marcher que si au niveau du board, du management, de toute la structure d'entreprise, ces sujets-là ont l'importance qu'il leur faut. Tout découle de la gouvernance. Donc oui, voilà. Évidemment, ça a été dit de toute manière, la microfinance est beaucoup focalisée sur le social, c'est normal, c'était l'objectif de s'adresser à des personnes... on va dire pauvres, exclus, etc., de les stabiliser. Aujourd'hui, ça fait partie, comme disait Mathilde, ça fait partie intégrale d'une évaluation responsable avec une certaine dimension qu'on a d'ailleurs développée en coopération avec le Action Group de la plateforme de IMFP, de la plateforme européenne. Donc voilà. Il est 13h01, Paulina. Est-ce qu'il y a d'autres questions brûlantes ? Les estomacs ont faim, je crois. Merci à tous pour votre attention et vos questions. Et on se voit au buffet. Merci. Merci, Karine.